Salut à tous, vous êtes dans Studio Origami et donc cette vidéo sera la sixième et dernière partie du tutoriel sur le modèle de Satoshi Kamiya, pardon, Ancient Dragon. Donc la dernière fois on était rendu ici, donc on avait enfin donné sa forme hein, au dragon. Et donc dans cette dernière partie on va s'occuper de plier la tête et donc les pattes une par une. Et puis on fera aussi à la fin donc toutes les petites finitions qui vont donner son interprétation au modèle. Donc tout d'abord, on va commencer par plier les pattes arrière. Donc ici, j'ai déjà plié la patte avant et la patte arrière droite. Donc ça donne ceci. Et donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'était juste un petit entraînement pour moi pour que je puisse ensuite vous expliquer plus clairement comment faire de l'autre côté. Mais donc, c'est exactement les mêmes plis de ce côté et de l'autre. Alors tout d'abord, on va commencer par la patte arrière. On va faire un pli inversé intérieur. Donc d'abord, on va ouvrir la patte comme ceci. Donc là, il faut que tous les volets soient en bas. Il faut que ça ressemble à ça. Voilà, et donc le pli inversé va se faire ici. Donc on amène la patte vers le bas. Comme ceci. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va former les griffes. Donc pour cela, il va falloir prendre un bout de papier. Donc là, on sort le petit carré. Mince. Hop, on écarte la première épaisseur de papier. Et donc on appuie comme ceci pour plier le carré comme ça. Voilà, donc là, on a enlevé un premier carré. On plie ici et on va appuyer sur le point au bout pour faire un espèce de closed sink. Et donc on obtient ceci. Hop, on replie, on obtient ceci. Et donc on va faire la même chose avec toutes les griffes pour avoir un accordéon là et pour pouvoir ensuite faire des griffes plus fines. Donc hop, on écarte un carré qu'on plie en deux. On va faire le creux jusqu'au bout. Et on replie. On fait ça une troisième et dernière fois. On écarte le carré. Hop, on aplatit, on rentre le papier à l'intérieur jusqu'au bout. Et voilà, donc là on a obtenu donc un accordéon ici, avec grâce auquel on va faire les griffes plus fines. Alors, on va faire plein de petits plis inversés intérieurs. Donc d'abord, on va le faire sur le premier pli. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rentre le papier à l'intérieur suivant cette ligne. Hop, et on fait un pli inversé. On obtient ceci. Ensuite, on rentre le papier de l'autre côté, et ainsi de suite. Et voilà, donc on obtient ceci.
Et on fait la même chose avec les autres griffes. Donc, on ouvre. D'abord, on aplatit comme ceci. Le pli, il faut bien qu'il aille jusqu'au bout de ce point. Encore un pli inverse intérieur. Et on le refait de l'autre côté. Et donc on le fait une troisième et dernière fois. Et voilà, on obtient ceci donc, et on a là quatre griffes qui sont bien séparées. Alors, maintenant on va mettre l'aile en avant pour pouvoir mieux travailler. Et donc tout d'abord on va amener le volet de papier qu'on a là vers l'avant. Alors en fait, en l'amenant vers l'avant, on le glisse sous l'aile, comme ceci. Donc voilà, on fait un pli comme ceci. On l'avait là et on l'amène vers l'avant, simple pli en vallée. Alors maintenant, on va faire un pli inversé. Hop. Donc on va ouvrir ici derrière la patte et on va faire ce qu'on a ici. Donc on prend le papier qu'on amène vers l'intérieur. Comme ceci, donc le pli, il faut qu'il aille jusqu'au bout là. Hop, comme ceci. En fait, quand c'est déplié là, on crée un creux comme ceci. Voilà, donc on obtient ceci. Donc là, il y a un léger décalage hein, entre le pli qu'on vient de faire et le pli qu'on a fait juste avant. Là, il y a un petit espace. Alors, il faut bien aplatir, voilà. Hop. Et maintenant, on va sortir du pli qu'on a fait ici, juste simplement une seule épaisseur de papier. Et cette épaisseur de papier, donc, on va la rentrer dans une des poches qu'on a là. Donc, et ce sera celle-ci. Donc il faut compter une, deux griffes. Donc, et dans la deuxième griffe, il y a une poche au milieu. Et donc cette petite épaisseur de papier qu'on vient de sortir, on va la mettre à l'intérieur.
Et voilà. Alors maintenant qu'on a ça, on va faire un pli en crimp. Donc on va amener, donc selon le trou qu'on a là, en plein milieu de la deuxième griffe, on va faire deux plis inversés. Donc un premier comme ceci et un deuxième juste en dessous. Pour amener la patte en avant. Alors là, c'est un peu court, donc je vais le refaire. Voilà, donc on obtient ceci. On a fait tout simplement un pli en crimp. Voilà. Donc dans le creux de la deuxième patte. Un premier, un deuxième. Alors maintenant, il faut donner leur forme aux griffes. Donc pour ça je vais vous donner une petite astuce. Donc d'abord la première, si vous voulez, vous pouvez la mettre en arrière pour qu'il y ait trois griffes en avant et une en arrière, hop, mais simplement avec un petit pli envalé et pas avec un pli inversé. Et ensuite seulement on va en fait plier la patte en deux dans le sens de la longueur. Donc comme on peut, on peut pas la plier entièrement en deux, mais lui donner une forme. Et donc plier les griffes en deux, dans le sens de la longueur, une par une. Comme ceci. Et une fois que vous les avez bien pliés en deux, pour faire le bout des griffes, il faut prendre le petit bout là, le courber, et puis réappuyer sur la griffe, mais dans ce sens-là. Et donc on obtient une belle griffe ici. Donc on fait la même chose pour toutes les autres griffes. On prend le bout qu'on courbe. Et ensuite, on écrase la patte comme ceci. On met celui-là en arrière. On peut la plier en deux. Hop, on courbe le bout et on réaplatit par-dessus. Et donc on plie bien la patte comme ceci. Ah, donc celle-là est un peu courte, hein, celle que je viens de faire. Il faut essayer de faire quelque chose d'un peu plus long. Et voilà, comme ceci. Donc là, on a fait la patte arrière. Maintenant, on va répéter pratiquement la même chose à l'avant, mais ça va pas se faire exactement de la même manière. Donc on va quand même commencer par un pli inversé intérieur. Donc on ouvre la patte, les battants sont tous en bas, et on fait le pli ici.
Voilà, alors maintenant on va répéter ce qu'on a fait à l'arrière. Donc on va écarter les battants un par un pour créer les griffes. Hop, donc j'écarte un premier battant, j'appuie jusqu'au bout. Donc là c'est un peu plus difficile parce qu'il y a plus d'épaisseur de papier, hein. Mais bon, ça se fait quand même. Hop, et on aplatit. Et on fait la même chose encore deux fois. Une dernière fois, hop. Et voilà, comme ceci. On obtient ceci et donc on va faire maintenant les griffes. Là, on fait une suite de plis inversés. Et voilà, donc on a la pâte avec les quatre griffes comme ceci. J'essaye de bien aplatir. Voilà. Alors maintenant, il faut amener donc un volet de papier vers l'extérieur, vers l'intérieur, pardon. Donc on prend ce volet de papier qu'on amène vers la droite. Et ensuite, on amène donc toutes ces épaisseurs de papier là qu'on a ici en arrière. Donc c'est un pli assez difficile parce qu'on a beaucoup beaucoup d'épaisseurs de papier. Mais donc il faut se débrouiller avec. Thank you.
Voilà, une fois qu'on a à peu près marqué ce pli-là, une fois que l'idée est faite, on peut le ramener en avant et donc on va faire un pli en crimp. Donc comme derrière, on prend la deuxième griffe au milieu et on fait le pli en crimp à partir de cet endroit-là. Alors c'est un pli assez difficile à faire. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on ramène encore une fois le pli qu'on avait fait juste avant vers l'arrière. On obtient ceci. Et donc même chose, là il va falloir donner sa forme à la pâte en la pliant un peu en deux dans le sens de la longueur pour avoir quelque chose de plus fin. Donc la griffe du milieu, on peut l'amener vers l'arrière. Et donc on plie toutes les griffes en deux dans le sens de la longueur pour avoir quelque chose de plus fin. On plie tous les bouts des pattes comme ceci et ensuite on peut réaffiner les griffes. Et voilà, comme ceci. Il faut bien plier en deux pour avoir quelque chose de très fin. Voilà, je vous laisse faire la même chose de l'autre côté pendant que je vais essayer de mieux faire ces pattes. Donc ce sera plus dans l'interprétation, donc c'est pour ça que je vous l'explique pas forcément. Mais donc vous pouvez tenter de leur donner une forme un peu plus personnelle, donc celle que vous voulez. Je vous laisse faire la même chose de l'autre côté, on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, maintenant on va s'occuper donc des ailes et donc on va amener le papier qu'on a ici vers la droite. Donc d'abord on fait un pli assez large
ici et ensuite le pli va se courber légèrement pour suivre donc cette ligne qu'on a là. Donc ça fait un pli courbe. Hein. Là on a hop et ensuite c'est plus dans la même direction. Donc on obtient ceci. Ensuite, on va amener donc cette partie-là du papier vers le bas. Alors, c'est ici en fait qu'on va souder les deux parties-là des ailes ensemble pour plus qu'elles se séparent. Donc, il faut bien joindre les deux, quitte à laisser, quitte à s'avancer un peu comme ça, pour pouvoir faire un beau pli ici. Et donc ensuite le pli à la fin fait comme ceci, une courbe. Alors maintenant sur tous les plis qu'on a là, on va faire des plis en montagne. D'abord sur celui-ci, alors il faut bien prendre au bout les deux épaisseurs de papier à la pointe et puis donc on fait un pli en vallée donc juste à côté. Comme ceci. Et on répète sur le pli suivant. Et sur le pli ensuite. Voilà, alors normalement, maintenant vous avez une belle pointe au bout. Et donc il faut ramener encore le bout de papier qu'on a là vers l'intérieur comme ceci.
Et donc une fois qu'on a la pointe au bout, on peut l'amener, on peut la pincer donc en deux et l'amener vers l'avant comme ceci. Et voilà. Donc là on a déjà obtenu une aile, donc on obtient ceci. Alors ensuite il faut hein, bien sûr lui donner une belle forme. Après ça vous faites comme vous voulez. Et voilà, donc maintenant il faut faire exactement la même chose avec l'autre aile. Alors maintenant donc, on va s'occuper de la tête, donc la partie qui va être pas forcément compliquée mais très minutieuse. Alors ici on voit qu'on a un volet de papier là qui ressort et qu'on va rentrer à l'intérieur de la corne. On ouvre et on passe le volet à l'intérieur comme ceci et on referme par dessus. On fait la même chose de l'autre côté, donc on ouvre la corne et on passe le volet de papier hop, à l'intérieur, comme ça, ça dépasse pas et ça prend moins de place. Alors maintenant on va ouvrir le papier, donc là on voit, on a quelque chose ici là. On va rentrer, donc on va appuyer dessus et puis on va le rentrer à l'intérieur comme ceci. Donc on fait la même chose de l'autre côté, on ouvre et puis on va appuyer sur cette partie là pour l'emmener à l'intérieur. Et voilà. Alors maintenant on va amener toutes les cornes en arrière. Donc on prend 1, 2, 3, 4 bouts de papier. Qu'on plie, hop, tous ensemble vers l'arrière en faisant attention à ne pas déchirer de papier. Et donc on fait la même chose de l'autre côté, on prend les quatre cornes qu'on amène en arrière. Alors ensuite ça va prendre du temps hein, de bien les mettre. Sans qu'elles reviennent vers l'avant. Alors ce qu'on va faire c'est que on va les mettre une par une, donc une première plutôt vers le bas
et ensuite une un peu plus en hauteur, et ainsi de suite, pour obtenir quelque chose comme ça. Et donc il faut bien appuyer pour que ça tienne en arrière. On fait la même chose de l'autre côté, une plutôt vers le bas, une un peu plus au-dessus, etc. Et donc on obtient ceci. Alors maintenant, il va falloir ouvrir, donc regarder ce qui se passe au-dessus, là, sur la tête. Et donc, on va amener le bout du papier en arrière, comme ceci. Voilà. Hop, ensuite... Le pli qu'on vient d'obtenir, on va le ramener en arrière encore. Alors il faut faire attention, je vous conseille de plier très 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 légèrement d'un tout petit pli le bout de papier avant de le plier en deux pour qu'avec le décalage ça ne dépasse pas. Et ensuite, il va falloir, donc là, il y a un petit bout, un petit carré qui dépasse, qu'il va falloir rentrer à l'intérieur. Comme ceci, hop, maintenant on ne voit plus, il ne dérange plus. Alors maintenant on va faire les yeux, donc ça va être un peu compliqué, mais en fait là les petits bouts, avec on va faire d'abord un pli en vallée, et ensuite, non d'abord un pli en montagne pardon, et ensuite un pli en vallée pour faire ressortir les yeux. Donc là c'est vraiment quelque chose de très 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 minutieux, je pense pas que vous allez bien voir sur la vidéo. Et donc ensuite il faut faire ressortir l'œil après l'avoir rentré. Donc ça je le referai à la fin. Hop. Alors une fois que ensuite on replie en deux, il faut monter donc là une première épaisseur de papier. On va la remonter légèrement vers le haut avec un petit pli en vallée. Hop. Donc comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On prend donc la première petite épaisseur de papier qu'on va remonter vers le haut. Et voilà. Hop, alors maintenant la deuxième épaisseur donc, qui est juste en dessous ici, on va faire un pli en vallée avec pour plus qu'elle dépasse. Donc on la rentre à l'intérieur histoire de plus la voir.
et on replie. On fait la même chose de l'autre côté. On prend le morceau de papier, on le rentre à l'intérieur. Et voilà, on ne voit plus. C'est parfait. Hop. Alors maintenant, on va révéler la mâchoire inférieure. Donc, on décroche un peu la mâchoire. Et donc, il faut faire un pli. Cream fold. Donc, un premier comme ceci, et un deuxième ensuite. Comme ceci. Et voilà. Alors ensuite, on va prendre toutes les épaisseurs de papier, donc tout le papier qu'on a ici, là, qu'on va rentrer donc à l'intérieur. Alors si j'y arrive. Alors je vais essayer de l'autre côté. Ça me paraît mieux. Hop, donc on rentre toutes les épaisseurs de papier à l'intérieur. On en profite pour retenir un peu plus les pattes qui doivent s'en aller toutes seules. Je pense que vous avez remarqué qu'on a tendance à s'écarter du corps. Donc là, c'est une manière un peu de les retenir. Donc ça nous arrange. Hop. Et donc, on plie. On en profite pour plier en deux en plus la bouche du même coup. On fait la même chose de l'autre côté. On met toutes les épaisseurs de papier à l'intérieur. Alors c'est un pli un peu compliqué parce que il n'est pas très bien expliqué sur le diagramme. En fait, là j'ai fait un choix de le mettre à l'intérieur, mais sur le diagramme il est expliqué qu'il faut le mettre sous les épaisseurs de papier qu'on a, pardon, ici. Donc de faire un pli en vallée en fait. Sauf que je n'y arrive pas. Je vais mettre ce morceau de papier devant et tout de suite ça va aller beaucoup mieux. Donc là en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est le petit morceau de papier qu'on a ici, en fait il faut le mettre devant, il faut le mettre vers la droite, vers le bout de la tête, et ensuite donc seulement on peut faire un pli en vallée. C'est pour ça que ça me posait problème, hein.
Et voilà, donc là déjà c'est beaucoup mieux. Hop, on fait la même chose de l'autre côté, donc on ouvre et on amène le petit bout de papier en avant. Ce qui va nous permettre ensuite de faire notre pli en vallée. Et donc ensuite, on peut plier la bouche en deux du même coup. Alors il faut amener donc le pliant jusqu'au bout sur la mâchoire supérieure. Et ensuite, donc, ça pose plus de problème. Ça se fait tout seul, on fait le pli en vallée à l'intérieur. Et voilà, on replie. Et on a presque fini de plier la tête. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de faire un pli inversé juste sur le bout de la mâchoire. On peut l'amener donc un peu plus vers le bas en l'ouvrant. Et comme ceci. Comme ceci, et donc ensuite il faut affiner légèrement encore un peu la mâchoire du dessus. Donc il faut ouvrir aussi la mâchoire inférieure et la courber un peu si on peut. Et donc, il va falloir plier en deux, dans le sens de la longueur, toutes les cornes, une par une, pour avoir quelque chose d'encore plus fin, pardon, et d'un peu plus propre. Alors une fois que la tête vous plaît, donc moi je vais y apporter quelques petites modifications ensuite, mais une fois que la tête vous plaît bien, vous pouvez vous attaquer au cou. Donc déjà, il faut l'aplatir un maximum, le plus possible, pour qu'il tienne avec le moins d'épaisseur possible. Et puis donc, hop, le relever un peu à la base, ça pose pas de problème. Et puis donc faire deux plis en crimp, un premier plutôt vers la base, et un second plutôt vers la fin. Hop.
Alors, je vais y arriver. Donc déjà un premier pli ici qui donne vraiment un peu plus une courbe à la tête. Et puis un second plus proche de la tête. Donc là il y a beaucoup plus d'épaisseur de papier, donc c'est un pli qui est vraiment difficile à faire. Je vais y arriver. Donc voilà, donc le deuxième pli crimp, ça va donner ça. Donc on va obtenir quelque chose comme ça, hein, sur la tête. Voilà. Alors maintenant que la tête est finie, on va pouvoir simplement faire une dernière chose, donc d'arrondir la queue. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça rend vraiment beaucoup mieux quand on le fait. Donc en fait pour ça, il va falloir plier légèrement en fait en montagne le long en fait d'abord du pli qu'on a là, et puis ensuite jusqu'au bout, comme ceci. Et puis aplatir, hein, la pointe. La même chose de l'autre côté, donc on plie en vallée au milieu pour avoir quelque chose de plus rond, et on plie aussi encore la pointe en deux pour avoir quelque chose de vraiment très pointu au bout. Et voilà, alors maintenant qu'on a un peu plus arrondi tout ça, on peut en fait hop, faire pivoter comme ça, faire légèrement sortir le papier pour faire tourner donc la queue autour du dragon. Ça prend un peu de temps de le faire. Hop. Et évidemment, il faut la tourner aussi ici. Donc à la base, ce qu'on peut faire, c'est là de faire un pli pour faire tourner encore plus la queue. Voilà, donc, comme ceci, on peut faire ça. Et donc ensuite un petit pli en dessous, donc ici, pour stabiliser le pli pour pas qu'il parte. Et on arrondit. Et voilà, alors sur la pointe on peut aussi la courber légèrement vers le haut puis vers le bas, ça peut rendre quelque chose d'assez sympa. Et voilà, donc on a fini enfin le fameux modèle Ancient Dragon. Et voilà, c'est enfin la fin de ce tutoriel sur le modèle Ancient Dragon de Satoshi Kamiya. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel pendant aussi longtemps. J'aurais mis beaucoup de temps à sortir les vidéos une par une. Merci encore à vous, à tous ceux qui se sont abonnés pour voir la fin de ce tutoriel. Si vous avez eu des difficultés encore, hein, sur ce tutoriel, n'hésitez pas à me poser des questions en bas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez réussi à le plier jusque là. Bravo à vous, parce que c'est vraiment un origami qui est très 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 difficile à plier. Et puis donc j'espère que vous restez abonné à la chaîne pour voir
les nouvelles vidéos donc de mes créations et d'autres créations aussi que je posterai. Encore merci à vous, à bientôt 500 abonnés hein, sur la chaîne, ça va faire vraiment beaucoup. A plus pour une prochaine vidéo.